Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue la découverte des bike parks d'Autriche. Et aujourd'hui, on est au Bike Republic Solden. On remercie la station de Solden de nous avoir offert un forfait pour découvrir ce joli bike park. Un grand merci à eux. Bah du coup, on va essayer de vous montrer à peu près tous les bike parks. Pistes bleues, rouges et noires. On va essayer de trixer aussi, on a déjà vu quelques petits modules qui peuvent nous intéresser. Bon, on est avec toute la bande, Arsène Unit, Robin, Max, Flo et Blandine qui se cachent juste là. Voilà, donc bah, on est parti en road trip tous ensemble et bah, on continue cette découverte de ces bike parks. Allez! En vrai, c'est ultra stylé, hein. Les Autrichiens, niveau décor, etc., ils sont pas dégueux. Hein. On rush ceci. Bon, vous allez découvrir en même temps que nous, on n'a pas encore posé les roues sur ce bike park. Par contre, on a une vue! Oh là là! Bon, on a pris une grosse pluie hier et bah c'est roulable, c'est un truc de fou. Ah, c'est bien roulable, hein. On est en plein mois d'août, donc autant vous dire que la station, elle est remplie. Ah, petit double. Yes. Ah, il y a une piste là, elle est fermée. On va aller prendre celle-là, non? Ah ouais, mais regarde là, il y a des barrières et tu ouvres les barrières. Ah, c'est pour les vaches. Là, c'est la Ebemeline. Allez, faites attention à la barrière. Voilà, mais niveau décoration, gros, ils sont bons, hein. Stylé de fou. Ah, hop. Ah. Ils sont dans un autre monde. Voilà, c'est très bleu quoi. C'est des bonnes flowlines hein, quand même. Oh, le budget qu'ils ont au bois quand même. Yo. Changement de pilote. Hop, petite table. Et je vous vois. Wow. Ah là, il y a du grillage, les gars. Ok. Ah mais gros, c'est une balade en fait en Autriche. Wouah, stylé de fou. Ils ont des infrastructures de malade, gros. Wow, tout grillagé, les gars. Petit virage. Enroulé. Le racer Chalabi n'enroule pas. Quelle honte à lui. En vrai, il y avait des doubles qui passaient. Ouais, quoi. Bike bump. Ah les gars, en fait, on a fait toute la bleue là et on est là. En vrai, ce qu'on peut faire, c'est de prendre là et on a une rouge. Et voilà, déjà c'est pas mal. J'ai pas plus. C'est une rouge. On devrait rouler un petit peu plus. Putain, c'est ouf, hein. Bah là on arrive au plus haut du bike park, au moins on est monté direct. Il fait pas très chaud là pour un mois d'août, on doit être à 6 degrés. Et il y a qu'une piste rouge en fait qui descend quand on est au plus haut. Mais du coup il y a quoi là? Wouah, elle est un peu verte là. Et on descend par où là? Voilà, c'est un peu trop freeride. Ah oui, ok, il est là. Est-ce que tu es gelé? Tu es gelé aussi, c'est le mot hein. Bah je sais pas qui va aller ouvrir en premier. Voilà, c'est plus de l'enduro line je pense hein. Max, vas-y. Allez. Ah, un petit peu plus caillouteux, mais bon c'est normal, on est en hauteur. Et en vrai ça va pas pire. Ouais, petite balade. Ouh. Voilà, on part.
part pour une randonnée. On a mis de dénivelé là. Ah, il y a un petit peu plus de rythme. Ah, ça va être long. Regardez tous les virages. Ouais, très type enduro celle-là. Oh, je l'avais pas vu. Ouais. Eh, faut bien sortir des virages. Ah, un petit freeride. Ah, une petite. Hein. Ouais. Ouf. Il y a une bleue. Attends, la rouge, elle était là, gros. Ah, nickel. Je passe par là. Ah, c'est marrant, ça. À ce qu'on roule sur les pierres. Ok, alors là il y a un point photo, je sais pas ce que ça va donner, parce qu'on est que sur des pierres. Wow. Hey, photo. Ouais. C'est comme un parc d'attractions, gros. Oh non. Tu s'attrapes pas deux par deux. Oh, c'est moins caillouteux. Hop. Non, jamais deux par deux. Oh, c'est beau, hein. C'est agréable. Oh, des petites tables. Ah, mais c'est bleu-vert, hein. Ça, c'est les autres zucs où on peut monter. On peut redescendre par là, il y a des pistes rouges et tout, là. Suivez-moi, les gars. C'est moi, le guide. Ou pas. C'est bien, ça, c'est pour les... Ouais, ça va être long. Eh bien, gros, en fait, le bike park, c'est une randonnée. En vrai, c'est pas con, hein, pour le... ça doit ramener des masses de débutants, ça va être trop bien. Tu peux te... En fait, tu te reposes sur le vélo et sur le... Ah, en vrai, pour les débutants, c'est trop bien. Ça saute, là. Ah, c'est vitesse. Ah, il a l'air d'avoir un petit peu plus de flow quand même. Ah, il y a peut-être un... Oh, ça faisait longtemps que j'avais pu sauter. Oh, le virage il est immense là. Ah, on peut attaquer là. Where is the black? Elle est là, tu penses? Ah, mais elle commence là. 22. Ah, c'est la DH. Ah, là, la obstacle. Bon, bah là, on est sur enfin la piste noire. Et là, c'est pour. On presse le bouton si on confirme qu'on. Presse le bouton! Qu'on connaît les dangers. Allez. Voilà. Ouais, ça va être très DH. Wow. 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 Ouh. Yo. Wow, les boueuses par contre. On veut déjà pas sauter. C'est mouillé. En fait, elle est bien sec, quoi. Dommage. Ah, là, ça a l'air mieux. Mais pourquoi tu fais pas les trucs?
CDH. Wow. CDH. Il est trop bien le parcours d'ailleurs. Wouh. Pas confiance du bois, vous me connaissez. Oh. En gros, là regarde, tu le vois, c'est un petit gap. Ouais bien. Et là c'est quoi? Ouais, il y a rien. Ouais, c'est saute, ça. Ouh. Voilà. En vrai, elle est marrante, hein. Yo. Yo. Ouh, j'ai glissé. Ouh. Oh, oh la vitesse. Oh, et là t'arrives dans des racines. Oh. 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 Ouais, c'est de la DH quoi. Wouh. C'est physique, hein. Yo. Hop. Passez devant. Passez devant. Ah oh, mais en bois ils ont dû tellement dépenser. Bon après on est dans une forêt. Ouf. C'est énorme le bordel. Ouais, moi même prendre de la vitesse. Oh oui, je l'ai vu aussi. Oh. Bon là on est revenu au point de départ et on va essayer de faire les rouges et noirs quand même de ce côté là. Je pense que c'est là où ça va être le plus amusant en bike park. En fait il faut aller choper les rouges là-bas quoi. Hop. Là je sais pas compris ce que c'était, là non plus. Petite double. Ah ils refont toute la ligne droite en fait. Et là, on peut reprendre là. Les mecs, ils dament leur terre. Ouais, je pense qu'on peut reprendre là, du coup. C'est la continuité de celle-là. Oh, mais les moyens qu'ils mettent. Ça, en France, ça dure 2 jours. Hein. Ça brûle après. Alors, comme vous voyez, c'est bien. C'est des belles pistes, mais alors, jump. Ah, peut-être là. Oups, double. Double. Est-ce qu'on aurait un des jump line? Hop. Ah, il y a un petit flow. Et il manque de la grosse là. Ouais, il y a des beaux virages. Hein. Ouh, on est calé dedans. Ah, ça passe à double.
Oh, il s'est emballé là à pédaler. Wow. Oh gap, oh oh oh, ça s'apprend. Ah. Un vol. Hop, on a vu des cailloux. Oh, 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 oh. Mais what? Ouais. Oh, la black, elle est là, non? Allez, go. Bon, à mon avis, tu ouvras vue. Ah, petit suicide pour le public. Allez, oh, bien. On avait un peu de public. Oh. On prend pas les mêmes lignes, c'est fou. Ah, manque de vitesse. Yes, elle est vraiment cool celle-là. Hop. Je jump. Hop. Oh là, gros hip. Ah, gros hip, on s'enflamme. Hein. Oh, tu doubles. Ok. Encore sur un noir. Ah ouais. C'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais, le début était pas mal. Ouais, le début. Mais là, je crois on est revenu sur la rouge, non? Allez. Allez. Eh, niveau brun, sera bien. Hein. Ah, le but maintenant, c'est de prendre des beaux virages. Si après ton séjour à Solden, tu prends pas des beaux virages, je ne comprends pas. Oh, oh c'est beau ce qu'il fait là. Avec le 29, là, tu peux bien écarter. J'essaye de me mettre dans le rythme de Robin. Oh. Oh. Ah mais vraiment c'était pas bon en virage après ça. Il y a trop de gens qui s'arrêtent au milieu. Voilà. Stable. Oh, amazing. Gap assis. Gap motocross. Ah, on arrive là. Allez, là il y a des tables je crois. Si vous avez pas vu ma vidéo en Nouvelle-Zélande, regardez ce qu'il y a devant nous. Les petites cartes là. Et bah ça les gars, je peux vous dire que c'est le feu. Il a raté le seul truc fun. Ah bah on retourne avec eux. Je peux faire sale des blocs passe.
c'est break dumpé. Fou. Hop. Ah oui, il y avait cette partie là aussi. Monte devant, pas de gaffe. Hein. Allez, tire la double. Hop. Ouais, c'est juste du raid en fait là, non. Hop. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien en fait. Mon plus blanc trick, ça va. Le petit planté de l'avant. Maintenant, on va trouver des endroits pour faire des photos avec Arsène Unit pour le bike park. Bon bah voilà, la dernière descente avec le Croas Arsène Unit. On va aller prendre quelques photos pour le bike park. On a trouvé quelques jumps là et on va essayer de faire quelques dingueries. J'ai quelques idées de tricks. On va voir ce que ça donne et voilà. Tranquillou. Et c'est parti. Ah, attends, ils se sont arrêtés en haut. Arrête-toi. Premier endroit, c'est fait. Quel freinage! Et la double! Là, il n'y a plus de double, je pense pas. Ah si, là. Et ça tire la double, et ça tire la double. La petite vache, comment tu vois? Ça, c'est une vache autrichienne. Non? It's a shooting! Oh! Il était là le virage? Ah, c'est pas mal! Bon, vous me connaissez, là on est à l'arrivée du bike park qui allait remonter juste là. Et là on s'est dit pourquoi pas faire un petit 3-6 drop là. Ah, vous me connaissez, j'aime bien les petits défis que je me mets en fin de session. Oh, il y a un cas comme Kevin, un cas comme Kona. Bon bah, on est parti hein. Allez, j'y vais. Wouhou. Wow. Il était propre. Parfait. Trop cool.